À vous de jouer. Ça y est, je Okay. stream ici sur PeerTube normalement. Moi, c'est bon, j'ai le visuel de son. Le visuel, ouais, tu peux le mettre après. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore là. Hein. Ok, Dantes, ici c'est de l'enregistrement. Tu peux repartir. Donc, le salon ici va être streamé. Je vais prévenir InVivo et Denvet qui voulaient peut-être interagir avec toi. Donc, je vais leur demander de remonter dans le studio et moi, je vais expliquer tout ça aux gens. Ok. Et donc, je sais pas si m'as entendu, Jordan, tu peux enlever pour l'instant les images, hein, les streams ou quoi que ce soit. Ce sera pour plus tard. Je te le dirai en cas, de toute façon. Mosé 12B, vous me dites en coulisses quand c'est bon que ça reprend et moi, je préviens les gens en caille. Vous m'entendez ou pas, là? Bah ouais, on t'entend, Sanglier. On t'entend un tout petit peu faiblement, Sanglier. Je sais pas si tu peux faire un truc pour... On t'entend, mais t'es un peu en dessous des autres. En termes de volume. Là, ça va? Ça a l'air pas mal. Moi, je te montre de mon côté. Okay. Aussi. Je vais parler fort, un peu plus fort. Vous me dites quand c'est parti, hein? Bah, là, ça va pouvoir être bon. Je pense qu'on va peut-être juste attendre le retour de l'ours. D'accord. Un petit câlin avant de commencer. C'est le genre de pause transition qu'on adore. Oh, c'est trop mignon. Ils sont en train de dire aux gens que ça va être bon. Voilà, moi j'ai vu un chien, je suis parti, c'est terminé pour moi. On démarra dans quelques instants, l'ours va bientôt revenir vers vous pour vous dire quand vous pouvez y aller. Ça marche. Là, j'en profite pour noter les sites qu'a utilisé Ludo pour cette conférence, comme ça les gens y auront accès. Vous pouvez démarrer si les gens ne peuvent pas se connecter.
On leur redira. Ok, ça marche. Ok, bon, et ben c'est parti alors. Et ben salut à tous. Salut à ceux qui sont là. Merci déjà à la chaîne Au Canard Réfractaire pour l'organisation de ces universités à distance. C'est une superbe initiative. Il y a un super boulot qui est fait derrière par toute l'équipe. C'est vraiment super agréable. Et donc, merci à vous aussi de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Pour ceux qui connaîtraient pas trop, ou un petit rappel, donc moi, c'est Sanglier Jaune de la chaîne YouTube du même nom. Après avoir fait un tour de France des Gilets jaunes au cœur du mouvement quand il est apparu, donc c'était les premiers mois, qu'on peut retrouver sur la chaîne, toute une série de vidéos sur des reportages de citoyens en caméra embarquée en fait. Il y a eu un travail aussi après sur le net avec des émissions, avec des militants, etc. Tout ça pour en arriver aujourd'hui à une reconnexion totale avec la ruralité. J'ai quitté la région que j'habitais jusque-là, qui était les Alpes-Maritimes, pour aller en Ardèche, rejoindre un collectif, plusieurs militants, plusieurs personnes qui s'étaient déjà engagées dans tout un tas de choses pour essayer de construire en fait le monde dont on a envie et pas juste l'écrire sur des pancartes pour manifester. Et du coup, gros changement de vie. Et puis ça va m'amener sur des réflexions sur le paysan heureux et solidaire. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire une présentation entre 25 et 30 minutes, puis après on aura des questions. C'est super important d'avoir des questions directes, des retours. Voilà, donc je vais commencer. Alors, je vais commencer par vous dire que déjà, dans ce que je vais développer et vous proposer, il n'y a pas de leçon. Il n'y a pas, je me permets pas de dire « il faut faire ça ». C'est ça qui marche, c'est pas ça, avec un côté moralisateur ou quoi que ce soit par rapport aux actions des autres. Parce que je pense déjà que toutes les actions sont bien à mener, sont intéressantes, qu'il faut faire des choses qui nous correspondent et que dans le militantisme, l'important, c'est de faire des choses. Et il y a Baltic qui a trouvé un chat, je crois. Mais bon, c'est bon, c'est pas grave. Et du coup, ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Du coup, le constat par rapport à la crise actuelle, c'est qu'effectivement, on l'a tous fait, évidemment. Bon, bah là, aujourd'hui, on a le Covid, on a le système qui s'effondre, qui s'émiette petit à petit. Alors moi, je vais parler que de l'aspect, évidemment, on s'est tous posé la question, on s'est tous dit si les supermarchés sont vraiment coupés, si ça continue, si le système industriel s'écroule, qu'on n'est plus alimenté, etc., des matières premières qu'on a, comment on fait ? Déjà chez les Gilets jaunes, mais même chez la plupart des militants, on entend beaucoup parler évidemment d'autonomie. On entend beaucoup parler de cette volonté de refaire nos potagers, de réapprendre à être autonome d'une manière générale. C'est très bien. Effectivement, bah oui, bien sûr, c'est important de savoir faire pousser ses légumes et de moins avoir besoin du supermarché. C'est déjà un bel acte militant finalement. C'est devenu militant par la force des choses. Hein. C'était la normalité il y a quelques décennies, mais bon. Du coup, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on essaye de réinventer le fil à couper le beurre quelque part en cherchant l'autonomie. Parce que l'autonomie, si on la veut vraiment, c'est un petit peu peut-être des fois s'enfermer. Ou... Bon, puis ça demande 25 ans de travail en fait avant de pouvoir y arriver vraiment. J'ai pas la sensation qu'on ait forcément le temps. En tout cas, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, on est nombreux à chercher la clé, à essayer de chercher la clé à cette situation. Pour essayer effectivement d'avoir moins besoin des supermarchés, d'être plus vers le local. On a beaucoup entendu parler de se relocaliser évidemment depuis dans tous les milieux militants en fait, parce que c'est tellement logique, c'est tellement la base. Ben pourquoi pas en fait aider nos paysans ? Parce qu'en fait en France en ce moment, il y a énormément de paysans qui ont besoin de coups de main, qui ont besoin qu'on les aide à travailler, qu'on les aide à faire plein de choses. Et il y a aussi beaucoup de paysans qui ont envie de transmettre leur savoir parce qu'ils se rendent bien compte que c'est en train de se perdre. Et alors évidemment, il y a plusieurs styles hein, de paysans, entre guillemets. Il y en a qui cultivent la vie, qui sont passionnés par leur métier vraiment, avec des petites exploitations, des maraîchers qui font plein de choses différentes. Et d'un autre côté, bon, même si évidemment, il n'y a pas que deux catégories, mais il y en a plein, mais il y a le paysan qui n'a pas eu le choix, l'agriculteur qui est devenu, dans sa façon de travailler, un peu industriel,
qui est devenu dépendant des machines, des tracteurs, qui monte sur son tracteur à 6 heures du matin et qui le quitte à 20 heures le soir. Celui-là, aller l'aider aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais il y en a tout un tas d'autres qui demandent que ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, donc je vais me servir de mon exemple personnel pour dire quelque chose qui marche dans le concret, dans le réel. Parce que vraiment, moi, en tout cas, en ce moment, vu le contexte général, j'ai vraiment la sensation que j'ai envie de me concentrer que sur ce qui marche et que sur ce qui peut me permettre dans ma vie, autour de moi et avec aussi le collectif qu'il y a autour de moi, des amis en fait, hein, parce qu'on n'a pas un collectif avec des règles ou quoi que ce soit, ni même une charte ou quoi que ce soit. C'est en fait c'est une façon de fonctionner solidaire et équilibrée. Ben, il faut quand même que mes actions militantes, je puisse en récolter les fruits et en faire profiter. Donc j'ai rencontré Lionel, un paysan qui lui est en Ardèche aussi, à 30 km en fait de là où moi j'ai atterri. Et je l'ai rencontré sur le marché, un petit marché de petits producteurs. Et moi, je cherchais à faire une vidéo sur les tomates parce que je faisais un épisode d'Un Monde Fou avec une espèce de métaphore entre les tomates, la façon de gérer l'agriculture, avec d'un côté les belles tomates propres et tout qu'on a en supermarché qui sont calibrées, qui ont plein de produits pour qu'elles tiennent dans le temps, etc. Et puis à côté, ce paysan qui avait des tomates toutes biscornues, mais qui étaient en fait délicieuses. Et il avait un pauvre panneau en carton marqué « tomates plein champ ». Tomate plein champ, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais qu'il avait quelque chose à dire en faisant ça. Du coup, je lui ai posé la question, je me suis intéressé à lui, je lui ai d'abord demandé comment il travaillait, je lui ai demandé de me parler de son travail en fait, ça l'a plu. La tomate en question, il me l'a donnée, il ne me l'a même pas fait payer. Et puis derrière, on a discuté et je suis allé faire une interview chez lui, et puis une première interview, une vidéo qu'on peut retrouver sur ma chaîne hein, d'ailleurs. Et puis depuis, en fait, je suis devenu une espèce d'associé en fait avec lui et du coup d'assistant paysan on va dire, et j'apprends du coup ce métier directement en même temps. Donc là on a fait toute la récolte de châtaignes. Donc dans les exemples très concrets à vous donner déjà aujourd'hui, depuis, et ça va faire 2 mois que j'ai commencé vraiment à travailler avec lui, j'ai travaillé à la récolte de châtaignes. Je vais avoir plein de pots de confiture qu'on va transformer bientôt à vendre, à proposer, à échanger contre d'autres choses, parce que l'échange est très important. Et ça me permet, moi, d'être dans une meilleure situation financière et surtout par rapport à des besoins réels qu'il y a 3 mois en arrière. Pourtant, j'ai pas encore, c'est pas l'euro qui est central. J'ai pas avec lui un rapport avec un contrat de travail. On n'a pas fait ça. Mais en fait, vous allez voir un peu plus tard que ce qu'on a fait, il y a une forme juridique qui le couvre, mais en plus de ça, on a moyen de faire avancer les choses et c'est bien là où je veux en venir. Donc justement, l'aspect juridique, en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire qui existe déjà, qui s'appelle le volontariat solidaire. Le volontariat solidaire, j'en avais parlé déjà sur ma chaîne il y a quelques mois. Ça tournait autour des Sourions anti-gaspi de Saint-Nazaire. C'était un groupe de militants de Gilets jaunes qui s'étaient rassemblés pour faire de la récup sur les marchés et qui, en fait, de fil en aiguille, au bout de quelques semaines, faisaient travailler de manière volontaire que des gens qui avaient envie de le faire. Et d'ailleurs, il y avait des gens qu'ils appelaient des merci assez joliment, qui en fait étaient des gens qui allaient se nourrir dans les poubelles, quoi, terminer leur fin de mois dans les poubelles. Ben, ces gens-là, au bout de quelques semaines, ils avaient mis en place un procédé qui leur permettait d'aider à cuisiner, à transformer, d'aller jeter 3 cagettes du commerçant, etc. pour en fait recréer déjà du lien, du dynamisme sur le marché, éviter du gaspillage et faire de la récup et nourrir 600 personnes par mois au bout de quelques mois. Par semaine, pardon. 600 personnes par semaine quand même. Voilà, donc ça c'est un exemple, hein, évidemment, de la récup sur les marchés, ça peut se faire à différents niveaux. Mais ce qu'elles avaient déjà travaillé à ce moment-là, c'était que juridiquement, elles s'appuyaient sur le volontariat solidaire. Le volontariat solidaire, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, qui est un statut juridique. Là, peut-être que Jordan peut vous mettre des petits streams, notamment sur le premier, là, le volontariat. Si on y arrive, s'il y arrive, je sais pas, je vois pas trop. Là, je montrais justement les vidéos sur les actions solidaires. D'accord. Parce que je n'ai pas de retour de ton stream, en fait. Donc, je vois pas ce que tu mets, je crois. Pour l'instant, je montrais plusieurs vidéos que tu as justement sur ta chaîne, que ce soit sur l'anti-gaspi, que ce soit sur les tomates par exemple. Ah bah super.
Super, ouais, bah, donc moi je vois pas, j'ai pas le retour, mais écoute, c'est pas grave. Apparemment, tu te débrouilles très bien. voilà, donc le volontariat. Alors, je vais vous lire un petit peu le démarrage. C'est quelque chose qui a été créé, en fait, qui tourne autour du milieu, évidemment, comment dire, associatif, caritatif. Offrez-vous sur le monde, vivez l'expérience du volontariat de solidarité, même à l'international. Bon, donc c'est quelque chose au départ qui est créé pour des associations caritatives, etc., pour des choses, on va dire, peut-être pour aider des migrants, par exemple, ou pour aider des sans-abri, de la récup sur les marchés, ça rentrait dans ce cadre-là. Donc, je vous lis un petit peu le départ de l'article de loi. Mon engagement, pour s'engager en solidarité, on peut être volontaire. Que signifie ce statut? Est-ce qu'un volontaire perçoit un salaire? Comment devenir volontaire, en France ou à l'étranger? Donc, le volontariat est un acte d'échange, un engagement entre une structure d'accueil et un volontaire. Le statut de volontaire se distingue à la fois du bénévole et du salarié. Ses caractéristiques sont les suivantes. Le volontaire s'engage d'une manière formelle, par contrat pour une durée limitée, pour une mission d'intérêt général. Le volontaire, en contrepartie de cet engagement, perçoit une indemnité de subsistance qui n'est pas assimilable à un salaire. Le volontariat ne relève pas du code du travail, excepté le congé de solidarité internationale. Bon. Là, je vais revenir là-dessus pour vous donner un petit peu mon interprétation de tout ça. Excepté le congé de solidarité internationale, bon, ça, on peut mettre de côté, on oublie, ça ne nous concerne pas tout de suite là. Donc, le volontaire s'engage d'une manière formelle, par contrat, pour une durée limitée, pour une mission d'intérêt général. Donc, ça veut dire que pour rentrer dans ce cadre juridique, il faut que ce que l'on fasse de manière volontaire soit d'utilité, soit une mission d'intérêt général, d'utilité publique ou d'intérêt général. En contrepartie, il perçoit une indemnité de subsistance. Et là, on a une clé qui me manquait encore il y a quelques jours, c'est qu'en fait, bien sûr que si je passe du temps, je passe des semaines à travailler chez Lionel, j'ai bien besoin d'un petit peu d'euros pour juste subvenir à mes besoins. Je suis pas dans une démarche d'enrichissement avec lui. Je suis pas dans une démarche de contrat de travail avec un lien de subordination avec lui. Non, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Je l'aide parce qu'il faut l'aider, parce que ça porte les fruits. Le fait que j'aille l'aider, il produit non pas deux fois plus, mais trois fois plus quasiment. Et je peux toucher une indemnité, comment ils appellent ça déjà, pour pas dire de bêtises, une indemnité de subsistance. C'est-à-dire que s'il me donne quelques centaines d'euros et qu'on fait une déclaration en disant que ça correspond à une indemnité de subsistance, ce qui correspond tout à fait à la réalité, en fait. Parce que ça m'a juste permis de continuer à le faire et pas de m'enrichir. Je suis pas là pour ça. Je m'enrichis, en fait, de choses qu'on a perdues, des choses qui me permettent de plus aller au supermarché, en fait, ou en tout cas, beaucoup moins. Voilà. Donc ça, c'est super important parce que, ça change à peu près tout, en fait. Et alors, évidemment, je pourrais continuer à vous lire le volontariat solidaire parce que c'est très intéressant, mais je vous laisserai prendre le temps chacun d'aller le lire vous-même et vous intéresser à ça. Il y a un autre document, pareil, je ne vais pas le lire là, c'est celui-là, je peux peut-être certainement qu'il le met à l'écran, Jordan, où il y a tout un tas de détails. Donc ça ne concerne pas tout à fait le paysan hein, pour l'instant. Pas tout à fait, mais j'y viens. Ce qui s'est passé, quelque chose quand même d'assez ironique. Le 24 mars 2020, chez BFM TV et comment ça s'appelle, RMC, Didier Guillaume, notre ministre de l'Agriculture, appelle les Français sans activité à aider les agriculteurs. Je cite, « Rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Le ministre de l'Agriculture, sans sembler se soucier des règles de confinement, appelle les personnes sans activité à aller travailler dans les champs. » On se rappelle tous aussi hein, de Sibeth Ndiaye qui disait qu'on pouvait aller ramasser des fraises, je sais pas quoi, elle avait une connerie en plus elle au milieu, mais bon, c'est pas grave, ça va dans le même sens. Il l'a demandé quand même ça sur RMC et BFM TV, c'était au mois de mars, au premier confinement. Ça a été repris dans la plupart des grands médias, évidemment. Ouest France, le 24 mars 2020, qui reprend les Français qui n'ont plus d'activité, appelés à aider les agriculteurs. Et alors, quelque chose que j'ai découvert aussi en cherchant tout ça, en préparant cette petite intervention, là, c'est sur lemonde.fr, et ça allait dans le même sens, coronavirus, près de 150 000 volontaires pour aider les agriculteurs. Et alors, il y a quelque chose qui est super intéressant. Je vous lis cette petite phrase. L'appel lancé conjointement par le ministre de l'Agriculture et le syndicat
syndicat agricole FNSEA mardi 17 mars, a bien été entendu par les Français. Ils ont répondu en nombre, prêts à proposer leurs bras pour aider les agriculteurs sur le territoire national. Près de 145 000 candidats disposés à travailler, assure un tel, directeur de la plateforme Wheezy Farm, qui héberge la page des bras pour une assiette créée pour l'occasion. Bras pour une assiette, je suis allé voir ce que c'est. Et là, certainement que Jordan est en train de vous mettre le papier que j'ai plus devant les yeux, que je l'ai perdu. Les bras pour une assiette. Oui, je le montre là. Voilà, super. Et ben moi, je l'ai perdu. C'est pas grave. Du coup, quand on regarde donc ce que tu es en train de montrer, on s'aperçoit qu'en fait, ça existe. Il y a moyen de cliquer très simplement quand on est un agriculteur et qu'on veut recevoir des coups de main, qu'on a besoin de recevoir des coups de main. Et de l'autre côté, on est sans activité et on se propose d'y aller. Ok. Ça va dans le bon sens tout ça. C'est proposé par qui ? Si on regarde en bas, on voit les logos. C'est Pôle Emploi. C'est Wheezy Farm justement, et je sais plus quel est l'autre logo, mais bon, ce sont des structures officielles en fait. Ose l'agriculture. Voilà, c'est la FNSEA en fait. Ok, évidemment, c'est pas tout à fait ce dont je parle moi, parce que moi je parle de volontariat solidaire, là ça passe par Pôle Emploi, donc certainement que derrière il y a un contrat de travail, etc. Bon, ceci dit, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est la logique, hein, évidemment, c'est la crise, on retourne dans nos campagnes, quoi. Pendant la résistance, quand même, ce qui a sauvé les gens, c'est qu'ils, localement, ils se débrouillaient entre eux. Ça c'est l'histoire du monde. Bref, du coup, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que moi, en étant dans les champs de Lionel, en fait, s'il y a un contrôleur du travail, ouais, qui vient, un inspecteur du travail qui vient nous voir et qui vient me dire, vous êtes en train de faire du travail au noir, je vais lui dire, et ça je vais le préparer, je vais le faire sérieusement, je vais lui dire, non monsieur, je suis en train d'écouter mon ministre qui m'a dit qu'il fallait que j'aille dans les champs. Et je suis désolé, mais si jamais j'arrive, si on arrivait, et là il va falloir le faire, à prouver, à démontrer, grâce aux mots du ministre, grâce à tout un tas de choses qu'ils ont déclarées, eux, qu'on peut faire rentrer l'agriculture solidaire, comme je suis en train de la faire, dans le volontariat solidaire, justement, l'indemnité de subsistance y est, il n'y a pas de rapport subordination, et là on fait vraiment avancer les choses. Là on ouvre une brèche pour des gens comme moi, qui ont envie de travailler avec le sourire, en étant heureux, avec des gens avec qui ils s'entendent bien. Tu travailles 3 mois ici, tu travailles ailleurs, tu fais en fait ce qui te plaît et ce qui est utile. Et c'est surtout remettre au milieu de nos actions et de notre travail l'utilité, faire quelque chose d'utile. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Moi, j'ai l'intime conviction que c'est possible, même juridiquement parlant, quoi qu'il arrive. Je vais continuer à le faire et je vais bosser avec des avocats, des juristes, etc. pour préparer le terrain parce que mon idée, c'est que je suis en train de débroussailler un espèce de sentier et qu'il faut que d'autres gens qui ont envie de faire ça puissent le faire simplement en étant rassurés sur l'aspect juridique et qu'il y ait déjà un cadre. Voilà. Parce que c'est évident que cette indemnité de subsistance, si c'est préétabli quand même avant d'aller dans le champ, que c'est légal, c'est carré, en plus le paysan il peut le déclarer dans ses charges, etc., évidemment, tout le monde est quand même plus rassuré. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller travailler, de serrer dans la main d'un mec et de dire « Ok, je te fais confiance, je travaille pour toi. » Bon, il faut être rassuré aussi si jamais il y a un accident et tout ça. Et tout ça, ça l'est hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Voilà un petit peu. Alors, à côté de ça, et pour terminer en quelques lignes, évidemment, on voit une dérive autoritaire en parallèle. Tout le monde, on voit bien qu'en ce moment, les politiques sont tenues par la police, la police tient les politiques, et on a vu des choses effroyables encore récemment. Je pense à ce musicien à Paris qui a été défoncé par les CRS. Moi-même qui suis musicien, évidemment, ça me touche encore plus que d'habitude, même si voilà. Donc c'est tragique, le système avance vite, il est dangereux, il est de plus en plus dangereux. Comment réagir? Moi, ce que je propose, c'est ça. C'est en fait que je me pose la question, si on est nombreux à faire ça, à faire ce que je propose là, il se passera quoi? Parce qu'on s'est tous demandé, on s'est tous dit, au deuxième confinement par exemple, on a vu dans les campagnes, là je parle des campagnes, les gens se reprécipiter au supermarché. Alors que c'est parler à son voisin qui sauve la vie dans ces cas-là. Si vraiment on est coupé du monde, si on est en vraie crise, c'est être solidaire autour de soi en fait. Donc, si on est vraiment nombreux à faire ça, qu'est-ce qui se passe?
Donc je propose qu'on travaille ensemble à faire avancer le rapport qu'on a au monde du travail, en fait à l'argent, pour avancer les choses, comme j'aime bien le dire sur ma chaîne, de la racine par la racine, parce que si on fait ça, on n'a plus besoin d'essayer de convaincre. La solution, c'est nous. Et merci, j'ai terminé ma petite présentation. Merci bien Ludo hein, pour cet échange, hein, c'était vraiment instructif. Du coup, moi, je continue de montrer ta chaîne en direct. Ça permet aux gens bah, justement bah, déjà de pouvoir s'y abonner, de pouvoir regarder un peu le travail que tu as pu faire jusqu'à présent. Après, je pense qu'on va pouvoir regarder aussi les questions vis-à-vis des personnes qui ont pu écouter le live. N'hésitez pas là, à aller dans l'onglet donc questions amphi. Comme ça, on va pouvoir sélectionner vos questions et on laissera Ludo y répondre peut-être question par question. Je ne sais pas ce que tu préfères. Oui, plutôt comme ça, oui, parce que en plus je les vois pas moi là. Je sais pas, je dois peut-être pas être synchro. Alors, si tu regardes là, nous on est dans studio, c'est juste en dessous. Tu as un point d'interrogation, question amphi. Donc là, par exemple, la première question, c'était par exemple dans les super mégapoles, aider en boycottant les grandes surfaces, est-ce que cela peut suffire en soi? Alors, attends, parce que j'étais en train d'en lire une autre en même temps, tu m'as dit, relis-moi la question, s'il te plaît. Bon, en tout cas, la première, c'était ça, c'était au début ton exposé, on va dire, donc, dans les super mégapoles, aider en boycottant donc, les grandes surfaces, est-ce que cela peut suffire? Alors, suffire, non, il n'y a jamais rien qui suffit, malheureusement, sinon ça... Ça fait longtemps qu'on cherche la solution. Quand je dis la solution, c'est nous, c'est parce que justement, il y a tout un tas de choses à faire. Ça en fait partie, bien sûr. Le boycott, moi, j'en avais parlé. Il y a une association d'ailleurs qui s'appelle iBoycott qui fait un super boulot pour référencer vraiment les produits sur lesquels et les firmes chez lesquelles il y a vraiment des gros scandales. Commencer par ça, évidemment que c'est bien. De toute façon, ce qui va aider l'agriculteur, le petit agriculteur local, c'est simple, c'est évidemment de préférer acheter ses produits à lui plutôt que les marques repères, quoi. Plutôt que tout ce qui vient de Jules Edouard et compagnie. Évidemment, supprimer les intermédiaires le plus possible. Les paysans, les agriculteurs, ce qui les rend fous, c'est que déjà, ce sont toujours eux qui se font avoir à la fin et même au début, et depuis plusieurs décennies, alors que c'est quand même eux qui nourrissent les gens, en fait. Hein. Tout à fait. C'est les intermédiaires. C'est les intermédiaires qui sont au milieu, qui se gavent et qui voilà. Donc, si on arrive par notre action simplement de choisir où est-ce qu'on achète déjà, d'éviter les intermédiaires, déjà c'est bien. C'est déjà une action, forcément. Et puis ensuite, c'est proposer une petite aide sur les marchés. Un très bon moyen d'entrée, c'est les petits marchés dans les petits bleds. Voilà. Alors évidemment, ce que je suis en train d'exposer là, ça marche difficilement dans les grandes villes, évidemment. Ça peut pas, et c'est pas une solution elle non plus que tout le monde peut faire, que tout le monde peut employer. Et puis tout le monde n'a pas envie d'aller passer sa journée dans un champ ou de faire de l'agriculture. Il y a les goûts et les couleurs aussi, c'est un métier difficile, je veux dire, voilà. Mais moi j'ai envie de montrer que par contre c'est un métier avec lequel on peut être heureux. Seulement il faut changer le rapport qu'on a au travail et en fait à l'argent finalement. Parce que si on arrive à recréer des réseaux comme on est en train de le faire et comme vous participez à le faire d'ailleurs. Aujourd'hui, sur la chaîne, j'ai proposé d'envoyer des châtaignes à des abonnés. Alors ça, on l'a fait. Il y a des gens qui les ont reçus, qui ont mangé le fruit de la forêt, quoi. On va le retransformer d'ailleurs. On va plutôt proposer des confitures la prochaine fois. Et parce qu'il y a des problèmes de conservation avec la châtaigne et tout. C'est très délicat, en fait. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais ça fonctionne. Et en continuant à faire ce genre de choses, on s'est aperçu par exemple que Mondial Relais, ils nous ont fait complètement de la merde pour l'expédition, ils ont renvoyé des colis, enfin bref, ils n'ont pas du tout fait leur boulot, alors que c'est un service qu'on paye. Bon, ben, ça veut dire quoi? En bout de chaîne, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des gens de nous, des militants, qui à un moment donné, quand on traverse la France, on fait des livraisons, on s'organise, il va falloir aussi qu'on change ça de l'intérieur, petit à petit. Moi, j'ai pas une solution pour la semaine prochaine, évidemment, mais oui. ce qui est certain, c'est que ça change. Ça change déjà des petites choses autour de nous, ça va dans le bon sens. Et en plus de ça, hein, parce que je disais tout à l'heure, aller aider les paysans. Si nous, les militants, quand on va aider un paysan, moi je sais pas, hein, mais depuis quelque temps, tout ce que je touche, ça se transforme en jaune. Donc ça fait avancer les idées aussi, parce que les agriculteurs n'ont pas eu le temps de s'occuper vraiment de cette crise, de savoir ce qui se passe. Ils manquent d'informations. Alors le pire, c'est quand ils sont dans leur tracteur toute la journée à ne pas avoir d'autre choix que d'écouter RMC, BFM et tout ça, quoi. Oui. Bon, voilà, je vais peut-être passer à une autre question.
Bah justement, oui, pour faire la transition, après, il y avait une pivot qui disait justement que penses-tu de l'idée d'acheter, par exemple, des parcelles agricoles et forestières via des groupements fonciers agricoles avec des copains gilets jaunes, par exemple? Eh bien, on a déjà des copains qui nous ont proposé ces idées. C'est des superbes idées, c'est clair. Et bien sûr, c'est super à faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a l'ONF qui est en train d'être privatisé. Donc, plus vite on achète des forêts à nombreux, plein de petits propriétaires, c'est beaucoup plus intéressant qu'une famille qui achète plein de terres, parce qu'on sait jamais où ça peut aller. Puis surtout, l'État peut le reprendre plus facilement. Donc oui, ce sont des bonnes idées. Mais j'ai quand même aussi envie de dire, à côté de ça, faites-le, mais faites aussi penser qu'il y a aussi déjà des agriculteurs et des paysans, il y a déjà des gens qui ont des terres et qui n'ont pas le temps de s'en occuper comme il faut, comme il faudrait, et on peut aussi commencer par ça. Enfin, les deux sont en parallèle, en fait, hein. C'est pas l'un meilleur que l'autre, hein. Mais oui, ça, c'est une très très bonne initiative. Avec, on peut imaginer une charte entre les propriétaires, par exemple 100 gilets jaunes qui achètent un hectare, chacun possède 100 mètres carrés, voilà. Si j'ai pas dit de bêtises en mathématiques, mais bon, peu importe, vous avez compris. En étant plein de petits propriétaires, déjà, on peut acheter gros. Et surtout, on peut pas faire ce qu'on veut dessus, quoi. Si on décide d'en faire une forêt comestible, si on décide d'en faire une forêt gérée durablement, vraiment, hein, pas comme le label PEFC le laisse sous-entendre, ça c'est vraiment intéressant. On se réapproprie nos terres en quelque sorte, hein, bien sûr. Une autre question? Ouais, du coup, ensuite, il y avait par exemple une question de Willy Will. N'y a-t-il pas un risque élevé que ce volontariat solidaire devienne un statut pour exploiter autrui? Alors, on pourrait se demander, sauf qu'il ne faut pas oublier que le premier mot, c'est le volontariat. Donc, si jamais, c'est évident qu'il faut que ce soit clair pour celui qui est volontaire, qu'il a le droit de dire non, je ne fais pas ça, j'ai pas envie. C'est chiant. Ou juste, j'ai pas envie. Il arrive à l'heure qu'il veut, il repart à l'heure qu'il veut. Voilà. Par contre, il va récolter les fruits que de ce qu'il va s'engager, bien sûr. Si tu bosses une heure par jour et que tu dis non, ça marche pas. Ça ne peut marcher qu'avec la volonté, justement. Donc, c'est une manière de filtrer quelque part les mauvaises intentions, ce rapport qu'on a ou quand on rentre dans une entreprise. J'ai été intérimaire le plus clair de ma vie, donc je peux vous dire, j'en ai fait plein des boîtes, et à chaque fois on rentre et puis on calcule, on dit quel est le salopard de collègue qui va essayer de nous marcher sur les plates-bandes, est-ce que le chef il est responsable et il peut me faire confiance et je peux lui faire confiance, est-ce qu'il va essayer de me avoir sur le nombre d'heures que je vais faire, est-ce qu'il va me gratter un quart d'heure ou pas, hein, tout le monde s'observe comme ça, c'est nul, c'est pénible. Le volontariat solidaire, non, on est là, le temps qu'on passe ensemble à travailler, on le passe à créer des choses, on le passe à discuter, on prend le temps de discuter aussi, on prend le temps de faire des choses qui nous plaisent aussi et qu'on sent utiles. Mais si, après, c'est évident que si on se retrouve avec des gens qui travaillent pas, je veux dire, il faut être sérieux aussi à côté, hein, évidemment. Mais ça, c'est à tout un chacun, quoi. Ça ne peut marcher qu'avec ça, voilà, ça c'est sûr. Donc ça protège aussi quand même un petit peu des mauvaises intentions, quoi. Ok, parfait. Là, pareil, question assez intéressante. Volontariat solidaire, pardon, n'amène-t-il pas des gens, les gens qui vont le pratiquer, pardon, au statut des travailleurs du 19e siècle, c'est-à-dire être à la merci du propriétaire avec donc au final un revenu faible, sans sécurité, je pense, au niveau de l'emploi, peut-être maladie, sans droits sociaux? Alors, c'est justement, c'est là où c'est en fait en décalé par rapport à ça, parce que c'est bien écrit dedans, hein. Ce n'est pas un statut, c'est marqué où exactement? J'aime bien lire les phrases qu'il faut. Attends, excuse-moi une seconde. Oui. Le volontariat ne relève pas du code du travail. Donc ça veut dire qu'il faut pas il faut pas s'attendre à avoir les mêmes retours que quand on va travailler avec un contrat de travail classique, un CDD ou etc. Donc évidemment que le salaire peut être, il sera moins en fait, il sera certainement moins élevé que si on fait un SMIC à 35 heures, bête et méchant. Mais par contre, il faut éventuellement essayer d'avoir soit quelque chose d'autre à côté. Alors moi j'ai que ça en fait en ce moment, hein, et j'y arrive. Hein. Donc c'est possible de toute façon, c'est possible, j'en suis la preuve. Mais j'en suis une preuve, ça suffit pas pour dire ça marche pour tout le monde, c'est ça qu'il faut faire. J'en suis une preuve, je sais très bien qu'il y en a d'autres bien sûr. Mais
c'est quand même à chaque fois au cas par cas que ça se fait. Hein. Là, c'est une petite idée, une petite proposition par rapport à du local toujours. Donc, il y a forcément, ça doit s'adapter à la situation, aux gens, aux personnes, etc. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer des retours d'expérience et des structures qui vont permettre à tout ça d'avancer un petit peu plus vite et de cadrer effectivement un peu plus les choses. Mais il y aura toujours une proportion à devoir gérer directement avec les gens sur place. Et effectivement, on ne peut pas faire du volontariat solidaire en espérant s'acheter une belle voiture 2 ans après. C'est pas possible. Par contre, à pouvoir se permettre d'avoir une voiture pour rouler un petit peu ce qui a besoin, etc. Ouais, ça doit rentrer, bien sûr. Être capable de produire le fruit, la rentabilité pour s'équiper avec des équipements de protection individuelle adaptés, il le faut. Voilà. Et puis il faut pouvoir avoir une indemnité de subsistance qui permette de continuer à faire ce qu'on fait. Mais j'encourage tout à fait tout le monde à faire autre chose à côté. Alors c'est compliqué évidemment, mais il faut peut-être pas faire que ça. Si on fait que ça, alors ça veut dire qu'on y passe vraiment du temps et qu'on récoltera les fruits un petit peu plus tard, comme quand on fait une exploitation agricole et qu'on investit beaucoup de temps, qu'on construit tout un tas de choses, on met du temps avant d'en récolter les fruits. Mais c'est comme ça que faisaient les gens il y a quelques dizaines d'années en fait, et qu'ils ont toujours fait. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le statut malgré tout existe, et que là où je pense qu'on doit faire avancer les choses, c'est par rapport à la crise qu'on traverse. Si on arrive à faire reconnaître que en ce moment aider des paysans c'est d'utilité publique, là on a quelque chose. Là on avance vraiment. Ça permettra peut-être aussi d'aller aider des artisans derrière, d'aller aider des petits commerçants, pas forcément que des paysans ou que des agriculteurs. Après, il faut essayer de faire grossir un petit peu tout ça, quoi. Mais moi, personnellement, hein, je suis aussi convaincu de toute façon, c'est pas pour rien que je m'intéresse beaucoup à la monnaie libre aussi, tout ça, c'est que le système monétaire qu'on a aujourd'hui, l'euro, de toute façon, ça fait partie du problème. Ce rapport qu'on a avec l'argent fait partie du problème, de toute façon. Donc ça, il faut que ça évolue, et ça doit d'abord évoluer en nous. Si quand on produit quelque chose, quand on travaille, on n'attend pas une somme et on se dit à partir de telle somme, j'ai réussi. Non, c'est le retour. Déjà, le plaisir qu'on a eu à le faire. Le retour, est-ce que ça a bénéficié à d'autres gens? Voilà, ça, c'est important. C'est ce que je sous-entendais en fait plus bas dans les questions. Mais là, en fait, c'est un peu comme une proposition, enfin une transition de système, finalement. Sortir un peu du système consumériste et donc finalement travailler pour survivre et trouver un sens, en fait, peut-être à sa vie. Enfin, moi, c'est ce que j'arrive à résumer de ton... un peu de ton exposé, on va dire, du jour. Par contre, quels seraient les risques, tu penses, de ton côté vis-à-vis de la société, on va dire des gens qui aiment consommer, mais plutôt aussi au niveau de l'État, vu que là, on est dans un système capitaliste. On a vu que la police, justement, était assez réactionnaire et finalement, pour l'instant, ça ne va pas dans le bon sens. Si, par exemple, imaginons, en Ardèche, tu arrives à mener un système, on va dire, de transition de système, que finalement, il y a un réseau qui se met en place assez large dans le département. Tu n'as pas peur que finalement, il y ait un système un peu de résistance vis-à-vis de cela? Qu'est-ce que pourrait faire l'État pour réagir à ça, enfin... Alors, ouais, très très intéressant comme question, effectivement, très pertinente. Alors déjà, dans ce que tu disais, effectivement, de proposer un système, de changer de système petit à petit, etc., en essayant de survivre plutôt que de consommer, etc. Ouais, c'est ça. Je rajouterais, c'est très très important pour moi, en fait. C'est en faisant ça, je suis aussi heureux en ce moment. Et paradoxalement, alors qu'on est en reconfinement, je ne me suis jamais senti aussi libre de ma vie. Mais ça, c'est vrai, en fait, les gens, si vous voulez. C'est-à-dire que en ce moment, moi, j'ai pas besoin de traverser la France, j'ai pas besoin pour être heureux. J'ai besoin que ce que je fais, je le sens utile. Je suis dans une région que je découvre qui est magnifique, où il y a des richesses de partout, et il y en a dans toutes les régions de France, si on cherche bien, en plus, peut-être pas qu'en France, hein. Mais donc déjà, c'est la notion d'être heureux, heureux de se transmettre aussi un savoir, de se transmettre l'amour de la nature, des animaux, des belles choses, de tout ce qu'on peut faire, quoi. De l'art aussi, de la culture qu'il y a autour de tout ça, que j'arrive à faire au milieu. Et alors après, pour répondre à ta question, donc si on est le jour où effectivement on commence à être un vrai problème pour le système, parce que déjà on lui consomme moins et il sent peut-être une bascule,
sur le fait que bah, y a de moins en moins de monde dans les supermarchés et de plus en plus dans les campagnes, évidemment que le système risquerait de réagir parce que bien sûr, je parlais au début des politiques qui nous encourageaient à aller aider nos paysans, mais évidemment c'est pas avec ma méthode à moi, c'est avec la volonté derrière de dire bon bah voilà, on a des nouveaux contrats de travail, hop, les pauvres ils restent pauvres et puis on fonce avec les normes européennes pour quelque part les garder sous cloche et on continue à faire de la merde et ça s'accélère finalement. Moi ce que je propose évidemment c'est un pas de décalage. Le jour, effectivement, le système peut nous trouver dangereux pour lui et souhaiterait nous attaquer d'une façon ou d'une autre. Eh ben, le système, il a quoi pour ça? Bon, il a les inspecteurs du travail et tout ça. Ben, si on est carré, si on est propre là-dessus juridiquement, il pourra pas. Donc ça, c'est important. Il faut l'être. Hein, attention. Je propose rien d'illégal et alors surtout pas d'encourager des gens à se mettre en danger, à foncer en faisant n'importe quoi. Il faut se renseigner d'abord et faire des choses propres. Voilà. J'essaye de le faire. Pour que ce soit reproductible. Ensuite, c'est que l'État, bah son arme aujourd'hui, sa force, hein, c'est les flics, hein, c'est les CRS notamment. Bah, je suis désolé, les CRS, ils ont faim comme tout le monde. Ils vont au supermarché comme tout le monde. Et si en fait, les enfants des CRS et des flics, ils passent les week-ends, les vacances avec nous, dans nos réseaux à nous, à s'éclater dans la campagne, à réapprendre ce que c'est que vivre vraiment, à être heureux, bah, le CRS, quand il va venir nous voir dans les champs, et puis, je vous dis autre chose, les Schtroumpfs, là, ce dont ils ont le plus peur, c'est que les gens sortent des campagnes avec les lances à purin. Et on peut aussi très bien les attendre avec les lances à purin. Ça, ça leur fait baisser les casques, en fait. Donc, je dirais, cet aspect-là, je m'en préoccupe pas trop. J'espère ne pas avoir en arriver là. Mais si ça devait en arriver là, l'État risquerait de perdre sa force. En tout cas, ce serait quelque chose sur lequel là, il ne s'engagerait pas de la même façon que sur une manif dans une grande ville où il contrôle les paramètres, en fait. Dans une campagne, il ne contrôle pas les paramètres. En fait. Donc voilà, bon, ça c'est une réponse, c'est comme ça que je ressens les choses et que je les vois. Il peut y avoir plein d'autres interprétations. Hein. Mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où on fait des choses utiles, qu'on nourrit des gens, qu'on rend heureux des gens, qu'on a aussi un rapport avec les enfants, avec l'éducation aussi qui change, ouais, je vois pas trop ce qui peut arriver de pire que de réussir, quoi. C'est vrai, bon, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, bon, il y a Kali qui a pas mal de questions aussi sur sa chaîne. Je vais commencer par la première. Donc, niveau couverture sociale, ça se passerait comment, par exemple, si on est blessé en récoltant, par exemple, je ne sais pas, des châtaignes, justement, en Ardèche? Alors, le volontariat solidaire encadre tout ça. Alors, pour l'instant, moi, je suis en tête de cordée, quoi. Je débroussaille un chemin. Donc, pour l'instant, c'est pas, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à faire reconnaître d'une façon ou d'une autre juridiquement que ce que j'ai fait en Ardèche avec cet agriculteur, c'est d'utilité publique. Et du coup, ça m'amène sur le volontariat solidaire. Et si ce lien-là, juridiquement, il est fait par une jurisprudence, par un acte juridique quelconque, quoi. Après, je suis pas un spécialiste. Je connais un peu en droit quand même, mais voilà, il faut travailler avec des avocats pointus là-dessus. Une fois que ça c'est fait, ça y est, je suis couvert. Et je suis couvert rétroactivement parce que les déclarations, on les a déjà faites, en fait. On s'est déjà protégé quand même de tout ça. Donc, aujourd'hui, demain, l'inspecteur du travail, si je me blesse ou quoi que ce soit, il peut venir. Je vais foncer là-dessus, quoi. Donc, une fois que ça c'est fait, on est tranquille. Là, tout de suite, au moment où je vous parle, juridiquement, c'est pas encore fait. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que les agriculteurs peuvent faire appel à des coups de main, d'accord ? On peut leur donner des coups de main et ils payent en nature. Ils payent en châtaigne, par exemple, en patates, ils nourrissent en plein d'essence. C'est légal, ils ont juste une déclaration à faire à la MSA. Ça existe déjà, ça je ne le savais pas. Tu vois, c'est des choses qu'on apprend en fréquentant les gens concernés, quoi, forcément. Ça n'existe pas dans d'autres corps de métier. Chez les agriculteurs, ça existe parce qu'en fait, c'est la base de la solidarité, c'est la base de la logique de ce métier, en fait, de paysan, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même ça qui est possible. Donc, pour démarrer là, demain, si quelqu'un veut aller proposer ce que je viens de dire à un agriculteur et tout ça, commencez par faire ça. Commencez par que lui, l'agriculteur, fasse une déclaration d'un coup de main, payé en nature. Voilà, ça c'est prêt, ça marche, c'est couvert, tout est couvert là-dessus. Voilà. Et moi, de mon côté, avec le volontariat solidaire, il faut encore qu'on avance un petit peu pour pouvoir dire, ça y est, c'est prêt, on peut foncer là-dedans.
voilà un peu où on en est, où j'en suis en tout cas. D'accord. Et bon, pareil, je passe à une autre question. Je pense qu'il reste à peu près un quart d'heure, hein, il me semble, ouais. Niveau questions. Enfin, si c'est toujours OK pour toi. Là, tu as une question intéressante sur les terrains communaux. Donc, pourquoi faudrait-il acheter absolument ? Peut-on envisager justement d'exploiter les terrains communaux ? N'appartiennent-ils pas au peuple déjà à ce niveau-là ? Oui, bien sûr, ça fait partie des possibilités. Après, le problème d'un terrain communal, c'est que vu qu'il n'y a pas finalement quand même quelqu'un, ou quand il n'y a pas quelqu'un qui vraiment prend ça à cœur et s'en occupe, ben ça a du mal à fonctionner, quoi. Parce qu'en général, il y a du monde qui plante, il y a personne quand il faut faire les travaux difficiles, et quand il faut récolter, tout le monde revient. Donc c'est bien parce que ça fait ça, mais je pense pas qu'il faille compter là-dessus pour vraiment se nourrir demain. En tout cas, c'est pas tout à fait ce que moi je propose. C'est vraiment d'aller là où les gens, parce que des paysans qui sont, de toute façon on le sait, je veux dire, ils se suicident en quantité, des paysans qui sont à deux doigts de craquer, qui sont à deux doigts de faire une dépression, et de toute façon il y en a qui l'ont déjà fait, je veux dire, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et ces gens-là, ils ont déjà une vie de travail derrière à proposer comme déjà comme expérience, comme investissement. Donc ça serait bête de pas en profiter. Ça serait bête de pas en profiter, quoi. Après, attention, là-dedans, il y a de l'humain, donc il faut quand même aussi réussir à trouver des gens avec qui on s'entend bien. Ça, c'est pas aussi évident. Tous les paysans n'ont pas envie de ça non plus, hein. Il y a de tout, voilà. Mais bon, il faut commencer, il faut se parler. Ouais. J'ai, attends deux secondes, j'ai une collègue, justement, Cécile, qui est agricultrice aussi, qui a un poney club et qui veut intervenir. Vas-y, je t'en prie. Juste par rapport aux terrains communaux, en fait, les terrains communaux sont des terrains qui appartiennent, comme le nom l'indique, à la commune, donc à l'État. Et pour pouvoir les cultiver, il faut d'abord, en priorité, avoir l'accord de la commune. Et ça, c'est pas forcément évident à obtenir. Il y a certains terrains communaux également qui sont cultivables et qui sont déjà loués ou prêtés à des agriculteurs pour justement les aider, notamment des petites exploitations qui n'ont pas suffisamment de terrain et qui souffrent un petit peu du manque d'espace. Il y a des terrains communaux qui leur sont déjà prêtés ou loués. Donc c'est pas forcément évident de pouvoir exploiter les terrains communaux. Il y en a pas tant que ça en fait qui sont disponibles. Alors après, moi je parle pour les petites communes, je sais pas comment ça se passe dans les grandes villes. Je pense que dans les grandes villes, il y a peut-être un peu plus de terrains communaux qui peuvent être exploités, sur lesquels on peut cultiver, faire des petits bouts de jardin. Je pense que ça c'est peut-être une option au niveau des grandes villes que je connais pas suffisamment, mais pas dans les petites communes, enfin peu dans les petites communes, je pense. Il y a très peu de terrains véritablement disponibles qui appartiennent aux communes et qui sont cultivables. Voilà. Merci, Cécile. Merci de l'intervention, effectivement. Du coup, je lis les questions. Alors, je ne sais pas, ouais, vas-y. Tu peux regarder en même temps et voir s'il y en a une qui peut t'intéresser rapidement. Là, par exemple... En vérité, elles sont toutes intéressantes. J'en lis 2-3 comme ça. Ouais. Elles sont toutes intéressantes, les questions. Vas-y. Mais ça là, marche bien quand tu les sélectionnes. Bon, parfait. Voilà, justement, est-ce qu'il y a une différence entre le volontariat, on va dire, solidaire et le service civique ? Oui. Je te laisse. Ouais, je vais laisser Cécile répondre à ça. Okay. Il y a une très grande différence, c'est que le service civique, c'est carrément de l'esclavage moderne. C'est juste avec un service civique, on est vraiment lié par contrat, avec des obligations particulières. C'est vraiment, en fait, le service civique, c'est vraiment un moyen pour l'État de faire en sorte d'inciter des gens qui ont peu de moyens, qui ont peu de revenus, qui ont peu de possibilités, d'aller travailler pour rien, en fait, et se faire exploiter comme pas possible, autant qu'on peut les exploiter. Alors que le volontariat, vous êtes lié par rien, vous pouvez partir quand vous voulez, et c'est totalement différent. On peut être soit volontaire, soit bénévole. En étant bénévole, on est assuré, il y a des contrats d'assurance, c'est quelque chose de légal, même en tant que bénévole. Au niveau agricole, le bénévolat est parfaitement légal. Il suffit juste de faire une déclaration, c'est ce que disait tout à l'heure Ludo. Dans ce cas-là, on devient bénévole pour aider un agriculteur. On est couvert juridiquement en cas d'accident. Mais par contre, le service civique, c'est carrément un contrat d'esclavage.
Ok, merci. Juste une précision, parce que justement, il y a une différence importante entre un bénévole et du volontariat solidaire. C'est que le volontariat solidaire, il a une possibilité d'avoir cette indemnité de subsistance. Parce que si on le fait beaucoup, bah, on a bien besoin quand même d'un minimum d'euros. Hein. Donc, c'est pas tout à fait la même chose quand même, même si bon, c'est proche hein, dans les termes, mais c'est quand même pas pareil. Parce que le bénévole, en fait, hein, dans une association, il est souvent exploité aussi. Hein. Voilà. Vas-y, continue. Ouais, alors il y a une autre question de la communauté à Calivision. Je la comprends peut-être pas très bien de mon côté, je te la lis hein, comme elle est. Renonce au droit de travail, donc tu ne cotises pas à la sécu, sauf par le biais de ton employeur. Bon, j'avoue que j'ai pas tout compris, mais. Ouais, non, je vois où il va en venir. C'est qu'après, ça peut poser des problèmes. En fait, tout ça, il va falloir l'étudier de fond en comble. Ça va être mon boulot avec les gens qui vont m'entourer, des avocats notamment, des juristes, pour aller répondre à toutes ces questions-là. Pour l'instant, je suis aussi en train de répondre à une situation de crise qu'on est en train de vivre. Et donc, est-ce que j'ai le temps de m'encombrer de ce petit genre de petites questions là tout de suite? Non, je fais, c'est utile, ça marche, je récolte les fruits de ça, j'en fais profiter des gens autour oui. de moi. L'agriculteur en question, ça lui change la vie. Donc, je verrai un peu plus tard si on peut répondre à tout ça. Je pense que oui, je pense qu'il y a moyen, effectivement, parce que si jamais ça fonctionne pas, ça, en fait, ce qui va se passer un peu plus tard, voilà, je vais loin, mais c'est que dans quelques années ou dans quelques mois, il va falloir qu'on crée la nôtre de sécurité sociale, comme tout à l'heure, les collègues parlaient de sécurité, sociale alimentaire. Ben, il y a la même chose à faire sur la santé entre nous, pourquoi pas. Des réseaux d'entraide, voilà. C'est une possibilité. Je dis pas qu'il faut arrêter la sécu et tout. Attention, hein, on va pas profiter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser aux retraites. Tu vois, par exemple, bah tiens, si t'es bénévole ou autre pendant plusieurs années, qu'est-ce qui se passe finalement quand tu vas vieillir, enfin. Bah, il peut se passer tout un tas de choses. Hein. Il y a pas aujourd'hui là, si le système monétaire s'effondre et que les livrets A, ils sont pompés par l'État, etc., tu auras cotisé toute ta vie, et puis pourquoi faire ça oui. On est sûr de rien, en fait. Par contre, il y a quelque chose dont moi, je suis sûr, je suis pas le seul. C'est que de travailler comme ça, dans le milieu agricole, dans le milieu paysan, on s'entoure de gens, en fait. On s'entoure de plein de monde. Et en fait, quand on a quelque chose qui va pas, bah, c'est le collectif qui nous sort de là. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors évidemment, c'est pas ça qui va guérir un cancer, c'est pas ça qui va guérir une rage de dents, sauf si on a rentré le dentiste dans le collectif. Hein. Mais, je veux dire, c'est quand même des choses qui existent. Voilà, pour pas se retrouver isolé, personne âgée isolée, etc. dans une EHPAD, bah, une campagne vivante, c'est quand même un bon début. Voilà. Après, bien sûr, ça marchera pas tout le temps. Il y a des gens pour qui ça marchera pas, hein, le volontariat solidaire, parce que je sais pas, ça leur correspondra pas. Ils ont besoin de cadre, etc. C'est comme ça. Voilà. Après, pareil, j'ai vu plusieurs questions vis-à-vis du terme woofing. Alors, moi, je t'avoue que je l'ai jamais entendu. Mais t'as par exemple Myriam qui demande si ta situation peut-elle rentrer dans le statut de woofing, justement. Alors, je sais pas, j'ai pas la réponse juridique à savoir si elle peut rentrer dans le statut de woofing. En tout cas, c'est très proche, ça y ressemble. Il y a quand même la notion de woofing. C'est vraiment très très proche. C'est un statut juridique effectivement qui existe pour cadrer, pour venir profiter, être logé. Le woofing, hein, pour expliquer vite fait ce que c'est. Mmh. En gros, je souhaite aller chez un agriculteur, puisqu'on parle de ça. Et ben, il va m'offrir le logement. Il va m'offrir le couvert, une petite indemnité aussi, mais pas grand-chose. Et je vais travailler pour lui tant d'heures par jour. Alors, c'est des petites heures. Hein, je crois que c'est l'équivalent de 3 heures ou 4 heures de travail par jour sur 3 ou 4 jours minimum. Je sais plus. Il y a peut-être des règles qui changent en fonction des métiers, tout ça. Mais bon, en gros, c'est pas tout à fait un mi-temps ou l'équivalent d'un mi-temps, on va dire. Et à côté de ça, on est logé. Voilà. Donc, ça y ressemble, hein. Ça ressemble à ce que je propose, mais c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a quand même un contrat qui oblige à rentrer dans un cadre bien précis. Là, nous, ce qu'on a envie, c'est d'être sur une page blanche et de créer, de recréer à partir de nos campagnes, à partir de gens qui savent faire ce qui nous plaît en fait. Voilà. Moi, il se trouve que ça me plaît, ce métier me plaît. Couper du bois dans la forêt, m'occuper de la forêt, apprendre des choses sur les champignons,
récolter des châtaignes, faire ça avec les mains, faire ça de manière cohérente et pas industrielle et tout, bon, ça me plaît. Y a des gens à qui ça plaît pas, il y a d'autres choses. Du coup, j'arrive avec des nouvelles idées. Alors, je vous lance un petit truc comme ça, justement, à tous les gens qui sont là, si cet été, ça vous branche de venir nous voir, moi, j'ai l'intention d'essayer d'organiser des balades comptées, par exemple, dans la forêt de Lionel. On verra, pour l'instant, je m'engage à rien, hein, c'est juste un projet. Mais on va essayer de faire ça pour pouvoir amener des gens, faire une belle balade où on va pouvoir raconter l'histoire de la région, l'histoire des châtaignes, tout un tas d'histoires pour apprendre des choses, pour transmettre cette passion de la nature et de la forêt et de l'agriculture, du paysannisme en fait, du paysan, et en profiter pour informer les gens un par un dans le réel aussi. Ça fait partie des projets, et évidemment les premiers concernés, ça sera finalement les gens qui suivent la chaîne, qui suivent tout ça, qui seront certainement les premiers intéressés, et puis même pour nous, pour moi, ça serait super aussi de recevoir des gens dans le réel, dans le vrai, dans ces conditions-là. Voilà. Ça, et tout ça, ça fait partie de ce que je peux avoir comme idée pour créer autour de cette base-là. Et je vois Cécile qui s'agite. Vas-y, 2 minutes, 3 minutes. Oui, je voudrais juste intervenir sur une petite chose. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui parlent de contrats, de sécurité sociale, d'être dans la légalité, etc. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les contrats de travail que l'on a, ils nous ont été vendus, entre guillemets, pour en disant qu'on allait protéger les travailleurs. Mais en fait, c'est surtout l'État qui se protège, en fait, qui fait en sorte qu'à partir du moment où il contrôle tous les travailleurs, il est sûr d'obtenir systématiquement des indemnités, des impôts dessus. Et c'est simplement les contrats de travail permettent à l'État de récupérer des impôts. Ils ne permettent pas de sécuriser quoi que ce soit, enfin pas grand-chose pour nous en fait. Oui, effectivement, ça met un cadre légal, mais ce cadre légal, il est surtout bénéfique à l'État et pas à nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pendant très longtemps, au niveau de l'agriculture, on n'avait absolument aucune déclaration à faire lorsqu'on avait des bénévoles qui nous aidaient. Les bénévoles, ils ont toujours existé, on en avait, et notamment dans les familles, les enfants d'agriculteurs travaillent dans la ferme depuis qu'ils sont tout petits. Il y a déjà 2 ou 3 ans, ils sont déjà dans le tracteur pour aider, ne serait-ce que pour conduire le tracteur pendant que vous chargez des bottes de foin. Enfin, ça, c'était il y a 20 ans en arrière, mais parce qu'on n'avait pas des grosses machines. Donc, la famille travaillait bénévolement. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, en tant qu'agriculteur, de faire travailler, d'être aidé par nos enfants, même s'ils ont 15 ou 16 ans. Il faut qu'on les déclare, parce que l'État a peur qu'il y ait justement des abus et du travail au noir. Si nos enfants de 15 ou 16 ans ont besoin de travailler sur nos exploitations, il faut qu'ils soient déclarés, parce que sinon, on va vous dire, s'il y a un contrôle, que ce sont des travailleurs au noir. Donc tout ça, c'est uniquement pour que l'État puisse récupérer des impôts, des taxes, et c'est toujours sur notre dos. Donc il faut arrêter de voir les contrats comme des protections pour nous. C'est des choses à réécrire, à réinventer. Et si on se met tous ensemble, si chacun d'entre nous fait quelque chose de productif, à un moment donné, les choses se réinventeront toutes seules, parce qu'on va trouver des solutions ensemble à partir d'événements concrets qu'on aura mis en place. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pas mieux, c'est bon, c'est fini. Franchement, c'est ça. Voilà. Et la dernière petite chose, ouais, vas-y l'ours. Ouais. Je vous laisse terminer. C'était juste pour dire que vous pourriez continuer dans l'amphi 2, mais s'il te reste une petite chose à faire, je t'en prie. Bah, 30 secondes, juste pour dire que moi, j'ai 37 ans, j'ai grandi, j'ai toujours été attiré par la nature, la forêt, l'agriculture quand même, la terre, mais j'ai grandi sur la Côte d'Azur et j'avais pas de contact direct avec les paysans, sauf quand j'allais dans la campagne avec mes parents l'été ou quoi que ce soit, mais même à l'école, même dans le monde du travail, même dans le monde de l'intérim et tout ça, on a dans notre tête, dans notre ressenti, le fait que être paysan, être agriculteur, c'est horrible, quoi. C'est une situation horrible, c'est un métier à dépression, triste et tout. C'est devenu vrai à cause de l'industrialisation, pour la grande majorité. Mais en fait, c'est ça qu'il faut changer déjà. Il faut déjà pouvoir aujourd'hui prouver qu'être un paysan, c'est un métier heureux, dans lequel on doit être heureux, en fait. Si on l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le problème, c'est le monde qu'il y a autour. C'est pas le paysan. Donc, voilà. Pour moi, j'ai terminé. C'est le plus beau métier du monde, voilà, qu'elle rajoute Cécile. Bon, on va basculer, du coup, dans l'autre, alors. Pour laisser ici. Oui, comme ça, vous pourrez continuer à interagir
Comme ça, si vous voulez discuter avec notre ami le sanglier jaune, je vous propose, pour ceux qui veulent continuer la conversation, de basculer dans l'amphi 2. Ok. Bah, et nous allons... Ça, ou... Moi, je dois bouger ou pas? Oui, il faut qu'on descende tous du coup plus bas. Hein. Okay. Je peux te transférer si tu veux. Bah, attends, je clique là, je crois que c'est bon. Ouais, vas-y alors, vas-y. Ok. Donc, je transfère le sanglier jaune dans l'amphi 2 pour ceux qui souhaitent continuer la conférence et nous n'allons pas tarder à accueillir Vincent Céspedes. Ouais, je vais le transférer. Qui nous présente sa